It's all about the rep, he says. It's all about the chicks and the clothes in here. C'est toujours un plaisir de venir voir la famille, quoi, comme tout le monde. Ça fait plaisir de rentrer voir la famille, de rencontrer un peu les gens qu'on connaît dans la ville d'origine. Je pense que c'est les vacances qui permettent de se ressourcer. C'est pas une destination au soleil, mais ça a une belle valeur. Voilà. C'est vrai que le premier match contre Grenoble nous a fait défaut. On a perdu à domicile, ce qui n'est pas le top pour lancer une saison. Donc c'est vrai que dans cette ambiance, il fallait de suite aller se relancer. Bon, on a fait un maximum d'efforts pour pouvoir se remettre au niveau par rapport au point dans le classement. Mais c'est vrai que personnellement, c'est pas évident de se situer dans une équipe qui perd son premier match à domicile. Donc voilà, ça a été un peu poussif. C'est vrai que cette année, c'est tout autre chose. Un nouveau staff, une nouvelle composition. Seul Vincent Cetto et Ludovic Lousteau, en tant que préparateurs, sont restés. Donc c'est vrai qu'il faut s'adapter. Et je pense que Raphaël Ibanez nous amène quelque chose, comme Mardel Pouc nous a amené quelque chose. C'est une méthode de travail qui est vraiment très réfléchie, très posée. Sachant que voilà, Raphaël Ibanez est vraiment le manager de l'équipe, il régissonne sous ses ordres en tant qu'entraîneur des avants, Vincent Cetto en tant qu'entraîneur des trois quarts. Et je pense que la composition se passe pour l'instant très bien. Ben, je pense qu'on a un capitaine qui est exceptionnel comme Mathieu Karkin, qui nous l'a dit depuis un petit moment. C'est mentalement qu'il faudra s'accrocher et l'équipe qui descendra, ça sera celle qui lâchera mentalement. Et je pense qu'on a un groupe de jeunes joueurs et d'anciens qui ont voilà, cet ami commun de maintenir ce club, parce que l'Union, c'est une histoire qui est de plus de 6 ans. Donc voilà, on est une chaîne et il faut respecter cette chaîne et ne pas lâcher, c'est une obligation. Ben, je pense que les 4 premières journées ont été très difficiles. Le match à Toulon, personnellement, a permis un peu d'éveiller, je pense, au niveau des entraîneurs, une possibilité de place. Et puis, voilà, il a fallu travailler énormément pour essayer de postuler et maintenant essayer de rester, parce que ça fait quelques matchs que j'enchaîne, mais le plus important, c'est d'y rester. C'est beaucoup de travail pour pouvoir y rester. It's all about the rep, he says. It's all about the chicks and the clothes in here. Yeah, a young dude with too much cool, fresh dressed in the cross.